Yon plaisir pour Télévision Nationale d'Haïti, kembe ou bien informé. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce qui est mes dernières sorties, journal mitan journée pour semaine ça. N'a démarré à ça qui concerne le dossier justice pour nous faire connaître, doyen tribunal première instance, Port-au-Prince-Lan, M. Bernard Saint-Ville, présenté bilan déroulement assise criminelle avec et puis sans assistance jury, qui était démarré lundi 23 juillet 2018 passé à. D'après M. Bernard Saint-Ville, dans le cadre assise criminelle, le tribunal a traité 52 dossiers, 16 condamnations et puis procédé à 32 libérations. C'est quoi pas qui avec Robert Henri Chéri pour un reportage. Pour assise criminelle, c'est assistant jury qui était déroulé lundi 23 juillet pour bout 13 août 2018. Le tribunal criminel a traité 21 dossiers, côté 9 individus jouent condamnation pour infraction, vol, viol, association malfaiteur et puis 10 autres libérés. Dans le cas d'assises criminelles avec jury, tribunal a traité 31 dossiers, 7 condamnations pour assassinat, homicide, enlèvement et séquestration, 22 libérations, 6 suspensions d'audience. C'est bilan définitif assises criminelles d'après doyen tribunal premier instance Port-au-Prince, M. Bernard Saint-Ville. Nous avons un nombre de 31 dossiers criminels avec assistant du jury. Nous avons fait 11 jours d'audience criminelle avec assistant du jury. Côté nous avons passé 31 dossiers. Nous avons un nombre de 33 accusés qui étaient jugés pendant la session criminelle avec assistant du jury. Nous avons 7 cas de condamnation. Nous avons 22 cas d'acquittement. Nous avons un cas côté tribunal là de requalifier fait yo, parce qu'on a qualification définitive là fait à l'audience. Il y a deux cas côté absence d'accusé, c'est-à-dire l'oreille les mon non fait extraction pas venu. Et puis il y a un cas de renvoi, il y a un grand cas côté tribunal là qui était renvoyé à faire. En tout nous avons 31 dossiers criminels avec jury qui passaient pendant la session. Nous avons 33 accusés que ordonnance était voyée devant tribunal criminel avec assistant du jury. Jugé, avait dit pour nous c'est une grande satisfaction. Côté tout dossier, nous évacuons criminel avec jury. Parallèlement, des concessions criminelles sans jury tout. Pour période, ça nous passé 21 dossiers criminels sans assistant du jury, pour un nombre de 29 accusés. Dit pendant que nous fait criminel avec jury, nous avons fait criminel sans jury tout. Pendant que ça nous passé 21 dossiers, il y a 29 accusés qui jugé. Nous avons 9 cas de condamnation. Dans la session criminelle avec jury, nous avons 10 cas d'acquittement. Les autres acquittement, ça veut dire que nous avons des salaires. Il n'y a pas de devant le tribunal criminel. Il a dit qu'il a acquitté les accusations et qu'il a donné libération. Il y a 2 cas de déport. On a une déportation volontaire. Le juge là, pour convenance personnelle, est capable de déporter de connaissance à faire. Il y a un cas côté juge là, on a donné dépôt des pièces. Ça veut dire pas prendre décision audience tenante. Lui a donné dépôt des pièces. Nous avons 6 cas de suspension d'audience. M. Bernard Saint-Ville dit satisfait pour le déroulement assise criminelle. De l'autre côté, doyen tribunal a expliqué, malgré assise criminelle finie, le tribunal a toujours organisé audience criminelle dans l'idée pour finir avec traitement quelques dossiers. Une grande satisfaction parce que l'année ça nous a fait un coup et c'est un choix intelligent du marché. Nous avons une audience avec 3 chambres. Parce que nous avons dit dans l'assemblée des juges là, étant donné que l'année dernière pas de audience, même là, nous avons mis 2 audiences criminelles avec jury par jour, nous n'avons pas privé évacuer tout le cas. Nous avons proposé juge, est-ce que nous avons fait 3 audiences? Tout le juge dit nous avons embarqué, nous avons avancé avec nous. Nous avons fait l'ambition pari qui gagnait. Et son moment, espace ça nous avons profité pour nous féliciter tout le juge tribunal de première instance. Représentant paquet, greffier huissier, petit personnel là, membre jury. La presse, tout nous était couvert à 6 là chaque jour, t'es toujours là. Nous, par contre, faisons avec trois chambres avec jury. Nous faisons les années à tout, nous réussissons. Assises criminelles, ça y est, qui était réalisé dans la juridiction Port-au-Prince-Lan, rentré dans le cadre de GFOR, autorité, la justice a fait pour réduire la détention préventive prolongée dans diverses sortes carcérales. Pour suivre précision, M. Bernard Saint-Ville sous déroulement assises criminelles. Merci Paki et Chéri. L'autre dossier, membre commission justice et sécurité Sénat rencontré jeudi 16 d'août là, au état-major la police là. Discussion au Téchita sous circulation routière et situation générale sécurité pays. Membre commission a exprimé préoccupation yo sous quantité accident qu'a fait sur route nationale yo. Dans ce sens, yo souhaité gain
disposition qui prend bon côté la police pour diminuer cas accident yo. Président de la commission Jean-Renel Senatus confirmé responsable la police yo dit yo pral tourner à question inspection véhicule yo façon pour éviter cas ça yo répéter. Nous invitons suivre. Pendant période estivale là, sur route nationale nous yo vire tourner n'a enregistré accident. Gagné information qui fait quoi en un mosque 15 jours, soit du 29 juin au 5 août, nous avons enregistré en Haïti près de 61 personnes qui mourent, alors que blessés ont plus que 200, des machines qui crasent, des personnes qui sont handicapées. Nous constatons chaque week-end sur la route nationale dans pile accident. C'est ça que fait. En un premier temps, nous avons écrit président, nous avons écrit directeur général de la police. Nous avons lettre pour demander li avec troupes li dans le CPR pour avoir plus de présence policière sur la route capable de faire prévention. Mais en un second temps, nous avons décidé de faire une séance de travail avec lui pour nous connaître qui sa problème yo yé, qui fait pigo criminel la jodia, l'irrelé accident de la circulation. Responsable policier prend engagement que d'ici mois de septembre et mois d'octobre, Cap Vinla a gagné réponse qu'a porté la question inspection des véhicules. Pour les citoyens du département de l'Ouest, nous gagnons des informations sur le travail qu'a fait pour toujours pacifier l'Ouest. Gen anpil travail directeur général la DDO, yo di nou, DCPJ, DCPA, yo di nou, yap fè. Gen engagement qui prend toujours. L'Ouest 2, Croix des Bouquets, Gantier, Tomazo, côté gang qui gen trois têtes là continue à frapper, même rivé à démonter porte en fait pour y aller voler petit passeport Kaimoun. Nous dit ça à responsable policier et nous pensons d'ici peu à des réponses qui doivent porter pour nous capables de vivre en paix. Bon côté par directeur général police nationale, Michel-Ange Gédéon, fait qu'on est direction police routière DCPR a travaillé sur un plan pour limiter la quantité d'accidents qui ont répété sur route nationale. Numéro 1, la police l'a dit, circulation transversale, il y a plusieurs secteurs qui impliquent là-dedans, tant que ministère travaux publics et mairie. Dans ce sens, la police a travaillé avec entité SAYO pour joindre une formule pour identifier moto et puis inspecter véhicule yo. Paki Abdi nous plus dans un reportage. Sous question sécurité publique, question sécurité routière et sécurité dans le département de l'Ouest ou l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Donc là-dedans yo, et c'est qui mécanisme de contrôle que la police lui-même lui mettait sous pied pour le capable contrôler chauffeur qui a boué et qui a conduit sur route là. Sous nek cap fait vitesse, sous question contravention, sous question inspection véhicule et sous question permis cap délivrer ou tout. Donc nous te répondons à toute interrogation ça. Mais nous te fait valoir tout ensemble d'obstacles que nous-mêmes nous rencontrons dans le cadre de travail. Non? Et c'est fort d'obstacles ça que la commission entend ni à ce que nous gagnons l'autre exercice encore pour nous faire avec d'autres acteurs qui sont intéressés par la question. Tant que travaux publics, et les municipalités, et SMGES, etc. Nous avons parlé de questions de sécurité sous territoire là. Et nous admettons et reconnaître que dernière semaine, le sud ainsi que le plateau central, et contrairement à l'agence statistique qui est convenu, et montrer que il y a quelques soucis. Et nous chitons déjà dans la dernière rencontre de commandement que nous avons avec les directeurs départementaux concernés. Nous avons ensemble des dispositions qui prennent depuis Port-au-Prince avec le renforcement de nos éléments sur le terrain pour nous commander capables d'adresser les préoccupations.
L'autre dossier, commission concertation haïtien dominicain CCHD, mandé autorité dominicaine yo prend en considération date 26 août 2018 qui était fixée pour expliquer environ 239 000 moun kap viv sans papier sous territoire dominicain, parmi yo plusieurs milliers haïtiens. Responsable communication groupe appui à apatriés et puis réfugiés yo gare souhaité autorité dominicaine yo bay dirigeant haïtien yo yon titan jusqu'à installation yon l'autre gouvernement pour pencher sous plan national régularisation étranger yo. Sous bo pal Lino Saint-Brave, officier communication à plaidoyer service jésuite migrant yo solidarité frontalier Haïti souhaité dirigeant des pays yo engager bon gens discussion cap permettre yo porter yon solution nan problème des peuple yo a fait face. Nous invitons aussi plus détails dans micro Ertelou Marie de Donne ak Moïse Ulbrich. À partir de date ça, il y a possibilité pour gagner de vagues de rapatriement si d'une part l'État dominicain pas dire sous statut moun sa yo et d'autre part nous connaît que l'État haïtien pas privé bail document que il te promet l'État bail à moun sa yo. Alors nous même au niveau de CCHD par rapport à grande préoccupation que nous gagne sous Jean programme ça été lancé puisque il y a pile défaillance en termes d'information et de sensibilisation pour moun yo parce qu'en pile nan yo là par contre qui bureau et nous songe dernier communiqué qui fait là c'est à partir de 3 août bali pour dire aller dans bureau à changer statut ça veut dire ça crée plus inquiétude la caï moun yo au lieu que li orienté au vrai. Or, nous connaissons tout au niveau de l'État haïtien. Document qui te promet qu'il te lancé depuis avril 2018, là, il n'est pas arrivé by tout. Face à toute situation d'inquiétude, nous même au niveau de CCHD, nous demandons pour l'État dominicain reconsidérer la date 26 août là. Parce que nous connaissons tout, nous face depuis un mois, on a parlé de un gouvernement démissionnaire qui n'est pas privé de prendre des engagements puisque il faut qu'il y ait un nouveau gouvernement qui est installé. Alors, il faut que nous tentons que nous avons un nouveau gouvernement qui a fait un bon suivi avec Mounsaï. Aussitôt que le gouvernement haïtien, nouveau gouvernement haïtien, est installé, pour qu'il y ait engagé des discussions franches avec l'autorité dominicaine pour relancer la commission mixte bilatérale, côté que nous pourrons débattre question sur thématique binationale. Et nous souligner que, dans l'espace, généralement, acteurs gouvernement privilégiés, thématique commerce, yo mettez sous côté question migration. Nous demandons cette fois-ci pour que question migration occupe une place importante dans l'échange, dans la discussion, yo, pour yo capable de définir des propositions, des mesures qui sont capables de porter solution à problème que nous avons fait face à l'IA. Deuxièmement, nous demandons pour que espace à commission mixte bilatérale là est ouvert à organisations qui dans la société civile là qui a travaillé dans le domaine migration et relations binationales. Donc ça permet organisation ça porter dans espace ça toute expérience point de vue et proposition pour capable améliorer conditions vie migrant yo et veiller à respect droit monde d'une façon générale. Et nous pas oublier tout mettre accent sous strict respect accord international yo et protocole qui gagne entre deux pays yo qui c'est protocole 1999 sur question expulsion et rapatriement pour que instrument ça arrive respecté pour garantir yon plein respect de droit moun et surtout droit migrant qui a expulsé. Ministre juste en tête collé à ministère conditions femmes et droits femmes lancé jeudi 16 août 2018 là projet sensibilisation et mobilisation communautaire sous violence sexuelle qui chita sous question sexe moun projet ça qu'a réalisé pendant 4 mois visé aider réduire violence communautaire renforcer état des droits faire promotion droit moun d'après Milos KRS Monavik représentant Ministre juste qui tape intervenu dans cérémonie lancement. Dans ce cadre-là, on a voulu encourager les communautés, mais aussi les institutions nationales à pouvoir
plus facilement prendre en main et voir comment gérer ces questions qui sont devenues dans certaines zones épidémiques. Je cite Madame la Ministre qui nous en a parlé donc dans cette période-là. Et une de ces activités qu'on a pu entreprendre, c'est ce projet avec Governance Group. On espère atteindre les 190 000 personnes qui devraient être les bénéficiaires, enfin, ou les récepteurs de cette sensibilisation. On pense que le sujet des violences faites aux femmes est un sujet qui a d'avoir sa place dans le discours au niveau national, mais aussi au niveau communautaire. J'espère que cette intervention au niveau de cette task force pourra donner, au fait, cette interface qui est vraiment nécessaire dans le cadre de l'appui aux victimes, mais surtout aussi dans le cadre du traitement de tous ces cas dans le sens le plus large. Donc, notamment, l'idée est qu'on soit qu'on a les acteurs au niveau local, donc de la justice, de la sécurité, et d'autres médicales, etc., etc. Et on espère que dans la foulée de lancement de tous ces projets de réduction de violences communautaires qui sont en train de se passer, on aura l'opportunité de soulever tous ces agendas-là au niveau des communautés, mais aussi au niveau national, puisque ça fait la partie malheureuse de la vie de beaucoup de femmes haïtiennes. Sous votre parole, directrice générale, la gouvernance groupe là, Gabrielle Hyacinthe, reconnaît que c'est un projet qui est difficile, mais le fait qu'on est à travail pour craser toute barrière qui empêche les femmes actives qui victimes de jouer justice. Gabrielle Hyacinthe fait qu'on est le temps pour entreprendre des marches accompagnement psychologique pour mesdames. L'étonnant micro, Stéphanie Charles avec Hervé Pierre. Constatons qu'en Haïti, les filles et femmes violées ne reçoivent pas toujours l'appui nécessaire pour engager les procédures judiciaires. Lesquelles procédures s'éternisent quand les victimes tiennent debout pour obtenir leur réparation et qu'elles constituent à subir de nouveaux traumatismes. Mon Dieu, mais pensez que l'Igla du temps pour nous changer qualité, mode, la vie que femme haïtienne a mené, qualité, violence qui a fait sous nous. Je pense que l'Igla du temps, pas seulement pour nous baisser toi, mais pour nous permettre que le processus la fête. Le processus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour permettre Mounio aller jusqu'à ce que yo joigne réparation et jusqu'à ce que yo accompagne yo psychologiquement. Des mesures rapides et effectives doivent être prises à l'encontre des auteurs de ces crimes. Cette lutte doit être menée à toutes les étapes. Lutte contre le déni et l'impunité des agresseurs, contre la loi du silence des victimes et surtout contre la mauvaise qualité de service offert aux victimes. Nous comprendre, travail la papiti, changer mentalité, changer coutume, changer habitude en dedans société, c'est pas un bagage qui a fait du jour au lendemain. Habitude vient pour Dieu, il pas coupé facile. C'est pour ça, projet ça, en dedans projet ça, nous voulons écraser toute barrière qui empêchait femmes, actifs qui victimes yo joindre justice. Barrière depuis nan al chercher soin la santé. Passer nan mandé fait constat. Nan déposer plainte juste rivé nan punition ak dédommagement. Sous bois par la ministre conditions femmes et droits femmes démissionnée à Marie-Unique Innocent, salue projet ça qui d'après lui cap aider diminuer cas violence sous femmes actifio. Lieutenant micro Stéphanie Scholl avec Hervé Pierre. C'est toujours avec une grande satisfaction et un énorme plaisir que je prends part aux initiatives en Haïti visant à réduire toute forme de violence à l'égard des femmes et des filles. L'une des formes d'inégalité les plus oppressives dans le monde est une violation
des droits fondamentaux de l'être humain. Point n'est besoin de vous dire donc mon sentiment ce matin de participer au lancement de ce projet qui tend à réduire et combattre les violences sexuelles et basées sur le genre en sensibilisant et en renforçant les communautés. Si ce projet de gouvernance groupe avec le support de la MINUJUST et du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes veut adresser principalement les violences sexuelles et basées sur le genre, cela contribuera cependant à impacter sur toutes les formes de violence que peuvent subir les membres des communautés ciblées. J'applaudis donc et assure du plein support du ministère que je dirige toute l'équipe qui travaillera à la formation, la sensibilisation des communautés sur le task force qui assurera le suivi judiciaire dans les différents départements et qui renforcera les capacités des membres des organisations communautaires. C'est un projet ambitieux, mais tellement utile. C'est une lourde tâche, mais tellement nécessaire. Car la problématique de la violence basée sur le genre est une urgence qu'il faut continuer à adresser pour faire reculer le nombre de cas de viol, d'attouchement sexuel, d'harcèlement, d'inceste. Merci Stéphanie et Hervé, responsable Rassemblement démocrate national progressiste RDNP, organisé jeudi 16 d'août la 9e convention Patia dans Pétionville. Activité ça déroulé en présence président donné Patia Mirland Maniga et membres Patia qui sont dans diverses régions dans le pays. Dans l'occasion, directrice Patia organisé élection pour renouveler membres conseil exécutif là qui mettait Eric Jean-Baptiste comme nouveau secrétaire général RNDNP. Nous invitons à suivre un reportage avec Falon Delphin et Hervé Pierre. Mam Patia qui sorti dans plusieurs zones sur territoire national là est présent pour participer dans la 9e convention RDNPA. Yon rendez-vous Mam Patia t'a prétendu depuis quelque temps pour organiser élection pour remplacer directoire Patia. Candidat Éric Jean-Baptiste remporté élection yo avec 224 voix contre candidat Louis-Charles Jean-Audouin qui réunit 42 voix. Nouveau secrétaire général RDNPA Éric Jean-Baptiste promet li pral travail avec chaque grand membre Patia pour moderniser. Dans ce sens, il promet application charte Patia dans respect idéologie et doctrine Rassemblement des démocrates nationaux progressistes. Nous pral travail avec chaque grand membre RDNP. Pas oublier que objectif premier chaque grand parti politique c'est la prise du pouvoir. Ça fait longtemps depuis que RDNP a représenté à tout échelon, désormais, bagarre a changé. C'est dans la base que nous avons sorti pour nous monter en haut. C'est la marche vers le pouvoir que nous lançons jeudi à la. Convention SILA coïncide avec la date anniversaire naissance fondateur Patia, Leslie François Maniga. Année ça, Parti RDNP a célébré 40 années depuis l'exister. Ou se suivi un reportage sur 9e convention RDNPA. N'a pas un coup de pause dans le journal là, pas déplacé, n'a pas tourné. La page culturelle, la chanteuse Aretha Franklin mourit hier jeudi 16 d'août là dans pays États-Unis dans zone Détroit à 76 l'année. Chanteuse afro-américaine nan tap lite depuis 2010 ak yon cancer nan pancréas. La reine de la soul Lady Saoul c'est surnom artiste la gagné. Aretha Franklin considérée comme plus grande chanteuse dans monde là par Rolling Stone dans l'année 2010, li fait plus passer 60 l'année à chanter. Diverses personnalités américaines saluent des pas icônes mondiales. Cassidy Abdinoplis, non, yon poti. Aretha Louise Franklin, fête 25 mars 1942 dans le pays États-Unis. Elle est pianiste, chanteuse, auteur et compositeur américaine. Elle fait gospel, soul, funk, rhythm, blues et jazz. Elle a gagné 14 années, elle a enregistré le premier album. I Never Love Amen, Respect, Chain of Fools,
I say a little prayer, thank, pour citer ça seulement, c'est qu'avec ma musique à succès, Aretha Franklin gagne dans le répertoire musical li. Dans carrière li, Lady Soul vend 75 millions de disques, ça qui fait, il était artiste femme qui vend plus de disques vinyle dans l'histoire industrie discographique là. Il recevra plusieurs prix, la dernière 18 Grammy Awards. En 1987, il est première femme qui rentrait dans le Rock and Roll Hall of Fame. En 1968, Aretha Franklin classé dans la deuxième place personnalité afro-américaine qui est plus populaire dans le monde là, après Martin Luther King. Toujours dans la page qu'il tire là, il y a une vingtaine de groupes avec DJ défilé sous scène dans la plage gelée dans Okaï. Sorti 11 pour bout 15 d'août 2018 là, dans le cadre traditionnel festival gelé qui toujours fait dans l'occasion fête patronale ville là, Notre-Dame de l'Assomption. Pour avant-dernière soirée à divers groupes ténors dans la musique haïtienne, qui est sous place pour célébrer à troisième ville PIA. Sandy Cassandra Destiné avec Mobile TNH là a présenté nous un reportage. T-Vice, Sky, Jakout No. 1, Freedom, DJ Feyou et DJ Gabi Mix. C'est quelqu'un groupe avec DJ qui te fait déplacement mardi 14 d'août 2018 là, dans quatre dernières soirées en fête patronale Notre-Dame de l'Assomption sous place Geléa. Donc chaque année, plusieurs centaines de monde te fait déplacement pour venir célébrer. Malgré Anissa, c'est pas tout qui te fait choix d'entrer dans la MEA selon eux qui pas nettoyé. Malgré ton prestation et t'écoute, trois musiques pour quelques, environ cinq pour l'autre, te suffit pour groupe qui aime festival et focus jusqu'à 10h du matin. Hervé Antenor et que Echaba battait Jakout No. 1 an, dit li satisfait de performance groupe li a nan soirée a. Li profite invite tout diaspora yo entre nan pays a pendant vacances lan pour une fête touriste locale. Pou ka wè, nan festival lan ap joué la, nan joué toute musique douce, tout hit douce yo, tout moun si l'ap chante et ap pran plaisir. Mais on connaît musique show, musique chez enragé yo, lè nou la ge yo. Gapil moun nan diaspora ki gen, li gon ti kap. Yo gade chaîne locale yo. Y a gade nous là. Nous ouais j'aime bien prendre plaisir. Yo nous ouais j'aime bien enjoy dans pays nous. Vas-y nous n'a perdu bagage ça yo. Côté nous tap là n'a vinn prendre plaisir nous là car nous parce que ça que dans diaspora les diaspora rentrer, li pas juste à l'enfer là car li seulement. Li font comme si li c'est comme si son tourner le fait. La locale, la locap, la les dans fête et Altagras. Là les tout côté dans toute fête. So, ça veut dire nous inviter tout le monde. Tout à l'heure, organisateurs vous promettent mettez plus discipline pour permettre chaque monde qui fait déplacement venir participer dans différentes activités gelées pour fête Notre-Dame de l'Assomption 2019 là, jouissant plein de chaque seconde y a passé gelé. Dans sport football sélection haïtienne senior football là toujours gardé 11e place là dans zone CONCACAF là et puis rété 104e dans classement général Fédération internationale football là qui paraît hier jeudi à l'étranger championnat d'Italie Ligue italienne de football annoncé hier jeudi report des matchs première journée championnat d'Italie Sampdoria vs Fiorentina Milan AC vs Genoa après effondrement yon pont à Gênes mardi qui saute passé à. Et bien voilà, amis téléspectateurs, je suis arrivé dans Boutli. Nous remercions pour attention et fidélité. Rendez-vous à ça de nouvelles là. C'est pas la 7h pour Téléjournal là. Bon week-end. Bye bye tout le monde.